الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On avait commencé une série sur la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Aujourd'hui, bi'idhnillah azzawajal, on continue le cinquième pilier de la foi au jour dernier. Et notre thème avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est la venue du Mahdi. Mes frères et sœurs, qui est Al-Mahdi? Première question. De qui descend-il? Quelle est sa description physique? Quelle sera la durée de son règne? Que fera-t-il? Quand apparaîtra-t-il et d'où? Quel est notre devoir concernant Al-Mahdi? Et puis, Al-Mahdi, est-il parmi nous? Pas mal de questions que je vais essayer de détailler avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères et sœurs, Al-Mahdi n'est pas un prénom, mais un surnom qui signifie le bien guidé. C'est pas un prénom, c'est un surnom qui signifie le bien guidé. Al-Mahdi, c'est le bien guidé. Le prénom du Mahdi sera Muhammad, fils de Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Comme qui? Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: même s'il ne restait qu'un jour de la vie terrestre, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'il y envoie un homme des miens ou de ma descendance. Son nom correspond au mien et celui de son père correspond à celui de mon père. Vous avez compris? Son nom correspond au mien et celui de son père correspond à celui de mon père. Il répandra la justice et l'équité sur terre de la même manière qu'elle aura été pleine d'injustice et d'oppression rapportée par Abu Daoud, et il n'a rien signalé à son sujet. Al-Mundhiri l'a rapporté aussi et Al-Baraoui le rapporte. Rahimallahu al-Jami'a. On a vu ici qu'il s'appelle Muhammad ibn Abdullah. Muhammad, le fils de Abdullah. Et qu'Al-Mahdi, c'est son surnom. Il sera de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa fille Fatima, radiallahu anha. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la vie terrestre ne cessera pas avant qu'un membre de ma descendance dont le nom correspond au mien ne gouverne les Arabes. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Écoutez bien. La vie terrestre ne cessera pas avant qu'un membre de ma descendance, de la descendance du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, qu'un membre de ma descendance dont le nom correspond au mien ne gouverne les Arabes. Donc ici on a pas mal d'informations. On va essayer d'avancer petit à petit pour construire cette aqida. Car aujourd'hui on est en train de traiter d'un thème qui est un thème lié à l'aqida, la croyance, le dogme. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi est des nôtres. Ici, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam cite Al-Mahdi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi est des nôtres, de ma descendance. En une nuit, Allah lui pardonnera, écoute bien, Allah lui pardonnera, le rendra droit et lui inspirera la bonne guidée rapportée par Ahmed et Ibn Majah. En une nuit, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonnera, le rendra droit et lui inspirera la bonne guidée. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit: ay yatub alayhi wa yuwaffiquhu wa yulhimuhu rushdahu ba'da an lam yakun kadhalik. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonnera, le rendra droit et lui inspirera la bonne guidée. Et Umm Salama radiallahu anha rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi est de ma famille, de la lignée de Fatima, rapportée par Abu Daoud ibn Majah al-Hakim. Donc je répète, Al-Mahdi, c'est pas un prénom, c'est un surnom. Il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah. Très bien. Il sera de la descendance du prophète alayhi salatu wasalam par sa fille Fatima radiallahu anha. Et de ce hadith, on voit qu'Allah tabaraka ta'ala le préparera pour cette fonction qu'il avait déjà prédestinée pour lui en une nuit. Clair? Quant à sa description physique, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit: le Mahdi est des miens, yani de sa descendance. Il aura le front large,
ou dégarni. Un nez aquilin. Un nez aquilin. Ça veut dire quoi? Long et légèrement bossu. Il remplira la terre de justice et d'équité comme elle aurait été pleine d'injustice et d'oppression. Il règnera pendant 7 années rapportées par l'imam Abu Daoud. On continue. Que fera Al-Mahdi? Al-Mahdi sera reconnu comme dirigeant de tous les Arabes et même de tous les musulmans. Al-Hakim, rahimahullah, a rapporté le hadith suivant d'Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Mahdi viendra dans ma communauté. » Le Mahdi, donc on voit bien que son nom est cité dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. « Le Mahdi viendra dans ma communauté. En son temps, Allah fera tomber la pluie. Et la terre sortira sa végétation. » Donc il y aura du khayr, il y aura du bien. « Il distribuera l'argent à part égale. Le bétail sera abondant. » Donc il y aura beaucoup de richesses à son époque. « Et la communauté deviendra importante. Il règnera pendant 7 ou 8 années. » Dans ce hadith-là, il y a 7 ou 8 années. D'accord ? Ibn Kathir, rahimallah, a dit, « À son époque, les fruits seront nombreux, les cultures et les biens abondants, le pouvoir dominant, la religion établie, l'ennemi abattu et le bien constant en son temps. » Et d'après Ali ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Même s'il ne restait qu'un jour du temps, » écoutez bien, « Même s'il ne restait qu'un jour du temps, Allah enverra un homme de ma descendance qui remplira la terre de justice comme elle aura été pleine d'injustice. » Et c'est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir la terre de justice. Après qu'elle ait été noyée, par quoi? L'oppression et l'injustice. Il va rester combien de temps? Environ 7 ans. D'accord? C'est pas la durée de sa vie, c'est la durée de son règne. Et Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la terre se remplira d'injustice et d'oppression. On le vit déjà bien comme il faut. Certes, la terre se remplira d'injustice et d'oppression. Tandis qu'il en sera ainsi, Allah enverra un homme des miens, dont le nom correspond au mien, qui remplira la terre de justice et d'équité, comme elle aura été pleine d'injustice et d'oppression. Le hadith est rapporté par Al-Bazzar Ibn Adi dans son livre Al-Kamil Abu Nu'aym dans Akhbar Asbahan et Al-Hakim. Il s'appelle donc Muhammad Ibn Abdullah, son surnom c'est Al-Mahdi. Il est de la descendance du prophète alayhi salatu wasalam par sa fille Fatima radiallahu anha. Il règnera pendant environ 7 ans et il remplira la terre de justice et d'équité. Et pendant son règne, il y aura beaucoup de biens, d'argent, etc. Une autre question. Où apparaîtra-t-il? Qui le sait? La réponse, il apparaîtra à la Mecque. Les gens lui feront allégeance, alors qu'il ne le désire pas. Aïcha radiallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est agité d'une manière inhabituelle durant son sommeil. Écoutez attentivement ce hadith. Aïcha, la femme du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est agitée d'une manière inhabituelle durant son sommeil. Elle a dit, nous avons dit, ô messager d'Allah, tu as fait une chose durant ton sommeil que tu n'avais jamais faite auparavant. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui est étonnant, écoute bien, je veux que tu m'écoutes et que tu sois réceptif. Ce qui est étonnant, c'est que des gens de ma communauté se rendront... Le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Écoutez bien. Ce qui est étonnant, c'est que des gens de ma communauté se rendront à la Kaaba à cause d'un homme. À cause d'un homme des Quraysh, qui y sera réfugié. Lorsqu'ils atteindront un désert, ils se feront engloutir dans la terre. Donc ils vont se diriger pour aller tuer cet homme. Cet homme, c'est le Mahdi. Allah tabaraka wa ta'ala, il va les engloutir dans la terre. Nous avons dit, ô messager d'Allah, il se pourrait qu'il soit inclus des personnes dont le but ne sera pas connu. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, il y aura parmi eux celui qui sera conscient. Celui qui sera conscient du dessein de cette armée. L'homme contraint à la rejoindre. Et le voyageur, ils seront tous anéantis dans l'engloutissement. Tous. Et ils seront ressuscités au jour de la résurrection selon leurs différentes intentions. Et ils seront ressuscités au jour de la résurrection selon leurs différentes intentions. Le hadith, il est rapporté par l'imam muslim.
Dans la version de Hafsa radiallahu anha, qui était elle aussi une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith il est rapporté par un muslim, elle rapporte que le messager d'Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit: une armée se dirigera certes vers la Kaaba pour l'attaquer. Pour l'attaquer. Lorsqu'elle sera dans une terre désertique, il parle de qui? De l'armée. Le centre de cette armée sera englouti. Donc ça rejoint le sens du hadith qu'on vient de citer. Alors ceux qui seront en tête de l'armée appelleront ceux qui seront à l'arrière, puis ils seront tous engloutis. Il ne restera que celui qui aura été chassé de cette armée, qui informera de ce qui leur sera arrivé. Dans une autre version, un groupe de gens sans force, ni grand nombre, ni armes, se réfugieront dans la Kaaba, et c'est rapporté par l'imam muslim. Pour ceux et celles qui veulent savoir comment est-ce qu'on saura que le Mahdi est arrivé. Comment? C'est quoi le signe? La question est, comment est-ce qu'on saura que le Mahdi est arrivé? C'est simple, il y a un signe que nous devons connaître. Ce signe, si tu l'enregistres, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, plus de problème avec les faux Mahdi qui sont pendus comme des œufs aujourd'hui, qui apparaissent comme des champignons et qui poussent partout. C'est vrai ou pas? Chaque fois, on entend quelqu'un dire « Je suis le Mahdi !»« Je suis le Mahdi !» Mais comment faire pour rapidement savoir si c'est réellement le Mahdi ou pas? Comment est-ce qu'on saura que le Mahdi est arrivé ou non? Qui le sait? La réponse, je l'ai déjà donnée, oui. En connaissant quoi? Son apparence? Oui. Barakallahu fik. Ce que je vais dire est très important, car hélas, il y a plein de gens qui ont prétendu être le Mahdi. Le signe qui nous permettra de savoir quand est-ce que le Mahdi sera parmi nous est que lorsqu'il arrivera, il y aura une armée musulmane qui se dirigera vers lui pour le tuer. Écoute attentivement. Il y aura une armée musulmane qui se dirigera vers lui pour le tuer. Allah tabaraka ta'ala donnera la victoire au Mahdi en engloutissant cette armée. En engloutissant cette armée. À ce moment-là, les gens de la terre sauront qu'il s'agit du Mahdi. C'est clair? Allah tabaraka ta'ala le secourra et fera en sorte que les musulmans lui prêtent allégeance. Sachez que le Mahdi dirigera la prière. Ça sera l'imam de qui? D'un groupe où il y aura Isa alayhi salam parmi eux. Le Mahdi dirigera la prière de Subh. Et derrière lui, il y aura Isa alayhi salam. C'est-à-dire que le Mahdi, il connaîtra la période de Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam, comme vous le savez, il va descendre pour tuer qui? Le Messie al-Dajjal, l'Antéchrist. On aura, inshallah, bi-idhnillah, une conférence complète à ce sujet. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, et le hadith il est rapporté par qui? Par Bukhari Muslim. Écoutez bien. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit: comment serez-vous lorsque le fils de Maryam descendra parmi vous et que votre imam sera des vôtres? Et que votre imam sera des vôtres, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Écoute bien. Et dans un autre hadith, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam dire: un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité. Un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, victorieux, jusqu'au jour de la résurrection. Il ajouta, alayhi salatu wasalam, alors, Isa ibn Maryam, Isa, le prophète Isa, Jésus, Isa ibn Maryam descendra et leur émir dira: viens et dirige notre prière. Viens et dirige notre prière. Qui va dire ça? L'émir des musulmans, Al-Mahdi. Est-ce qu'il est cité ici Al-Mahdi dans cette version rapportée par muslim? Non. Il est cité leur émir. Et dans la version d'avant, et que votre imam sera des vôtres. C'est pas cité clairement Al-Mahdi. Dans d'autres hadiths, il est cité clairement que c'est Al-Mahdi. Et comme vous le savez, la sunna se complète. Hein? Et les textes, hein, s'expliquent entre eux. Comme vous le savez, les textes dans notre religion s'expliquent entre eux. Ici, il dira à Isa alayhi salam: viens et dirige notre prière. Mais Isa alayhi salam répondra: non. Vous êtes les uns chefs des autres. Honneur fait par Allah à cette communauté. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Et donc c'est le Mahdi qui dirigera la prière, et derrière lui il y aura le prophète Isa alayhi salam. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi salam a dit:
Il y aura à la fin de ma communauté un calife qui donnera les biens à profusion et sans compter. Al-Jurayri, l'un des transmetteurs du hadith, dit « Je demandais à Abu Nadr et Abu Al-Ala, croyez-vous qu'il s'agisse de Omar ibn Abdel Aziz ?» Non, répondirent-ils. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Ainsi, ces textes rapportés dans Sahih al-Bukhari et muslim prouvent deux choses. La première est qu'au moment de la descente de Isa, alayhi salam, du ciel, celui qui aura le pouvoir sur les musulmans sera un homme d'entre eux. La deuxième chose, la présence de leur émir pour la prière. Le fait qu'il guide la prière des musulmans et sa demande adressée à Isa après sa descente pour qu'il s'avance et dirige leur prière indique la vertu de cet émir et qu'il est bien guidé. Même si le terme Mahdi n'y est pas explicitement mentionné, les hadiths indiquent les caractéristiques d'un homme vertueux, pieux, qui dirigera les musulmans en ce temps. D'autres hadiths ont été rapportés dans les sunan. Quand on dit les sunan, on parle de quoi? Sunan ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud, Nasa'i, etc. D'autres hadiths ont été rapportés dans les sunan, les musnad et autres expliquant ces textes rapportés par Al-Bukhari et Muslim et prouvant que cet homme vertueux est qui? Est Al-Mahdi. En effet, certains textes de la sunna en expliquent d'autres. Parmi les hadiths qui prouvent cela, il y a ce hadith. D'après Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jésus descendra, Isa alayhi wa sallam descendra. » Écoutez bien. « Et leur émir, le Mahdi, donc là c'est cité maintenant, le Mahdi dira, viens diriger notre prière. » Donc on voit bien que les textes de la sunna en expliquent d'autres. Même si dans les hadiths qu'on a cités qui sont dans Bukhari et Muslim, le terme « Al-Mahdi » n'est pas cité, dans d'autres textes qui ne sont pas rapportés par Bukhari et Muslim et qui sont eux aussi authentiques, cela est cité. Jésus descendra et leur émir, l'émir des musulmans, le Mahdi lui dira, viens diriger notre prière, nous servir d'imam. Et Jésus répondra, non, les uns doivent servir d'imam aux autres, c'est un honneur qu'Allah a réservé à cette communauté. Donc on voit bien que les textes s'expliquent entre eux. Et ce hadith-là, il est rapporté par Al-Harith ibn Abi Usama dans son Musnad. Ceci prouve bien que le chef cité dans Sahih Muslim qui demandera à Isa alayhi salam de s'avancer pour diriger la prière est surnommé Al-Mahdi. Et concernant cette prière qu'il va diriger, il s'agit de la prière de Subh. Mais d'où est-ce que tu sors cela? Quelle est la preuve? Dans Sunan ibn Majah, dans le Sahih d'Ibn Khuzaymah, le Mustadrak de l'imam Al-Hakim, il a été rapporté d'après Abu Umama, radiallahu anhu, selon une chaîne de transmission authentique, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, leur imam, donc celui des musulmans, sera un homme pieux. Quand il s'avancera pour diriger la prière de Subh, de l'aube, Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, descendra auprès d'eux. À ce moment-là, cet imam se retirera à reculons de la place de l'imam, afin que Isa, Jésus, s'avance, qu'il se mette à sa place. Mais Jésus posera sa main entre ses épaules et lui dira « C'est à ta vue que l'on a annoncé la célébration de la prière, alors leur imam les dirigera en prière. » Clair? C'est bon jusque-là? Le cheikh Siddiq Hassan cita dans son livre « Al-Iva'a » un grand nombre de hadiths traitant du Mahdi. Il fait en sorte que celui de Jabir, qui est rapporté par Muslim, soit le dernier et dit ensuite « On n'y mentionne pas le Mahdi, toutefois on ne peut l'interpréter. » ainsi que d'autres hadiths similaires en disant qu'il s'agit d'un autre que le Mahdi attendu, comme l'indiquent les informations précédentes et les nombreux textes. Taïb, mes chers frères et sœurs, si on résume ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Al-Mahdi, c'est son prénom? C'est son surnom. Il s'appelle Mohammed, fils de Abdullah. Il est descendant de qui? Il descend du prophète al-Islam par sa fille, Fatima radiallahu anha. Son temps de règne sera d'environ 7 ans. À son époque, se répandra la justice et l'équité, alors qu'avant il y avait quoi? L'oppression et l'injustice. De même, qu'est-ce qu'on a dit encore? On a dit que ça? Il apparaîtra à la Mecque, barakallahu fik. Est-ce qu'il choisira d'être le Mahdi? Non. Il ne le choisira pas. Mais encore, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Comment est-ce qu'on saura qu'il est parmi nous? Une armée musulmane ira le combattre et Allah subhanahu wa ta'ala les engloutira dans la terre. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Qu'il dirigera la prière en tant qu'imam à l'époque de Isa alayhi salam et Isa alayhi salam lui-même sera derrière lui. Jusque-là, c'est bon? Taïb.
À présent, il y a quelques clarifications à apporter. Pourquoi ? Parce que ce qu'on est en train de traiter là, ça fait partie de quoi ? On a dit de l'aqida, du dogme, n'est-ce pas ? Il y a des savants de notre communauté qui ont nié l'existence du Mahdi. Qui ont dit le Mahdi, ça n'existe pas. Et il y a eu beaucoup d'arguments que ce n'est pas cité explicitement dans Bukhari et Muslim. Et tout à l'heure, j'ai tout fait pour construire la chose de telle sorte que cet argument-là ne soit pas retenu. Il a été dit que les hadiths qui sont rapportés à ce sujet-là sont ahad. Et ils ne sont pas mutawatir. Et ça, je vais le développer après, Inch'Allah. Il a été dit que ça, c'est une invention juive que les chiites ont repris. Et que, comme vous le savez, les chiites, l'imamiyya, qui ont 12 imams, ils disent que le 12e sera al-Mahdi, qu'ils attendent d'ailleurs. Ibn al-Qayyim, rahimullah, il dit pas mal de choses à ce sujet. Je vous en toucherai quelques mots. Bi'idhnillah. Taïb, voyons ensemble al-Mahdi. C'est une vérité ou non? Voyons ensemble ce qui a été dit au sujet du Mahdi. Je parle surtout de quoi là? Je parle ici des ambiguïtés et comment répondre à cela. Mes frères et sœurs, sachez qu'il y a des savants qui ont suivi l'avis du savant Ibn Khaldoun, rahimahullah. Écoutez bien, ce savant Ibn Khaldoun, rahimahullah, a critiqué les hadiths du Mahdi et il a été suivi par beaucoup de savants. Il a dit, rahimahullah, c'est un ensemble de hadiths, donc là, c'est ses paroles, j'ouvre les guillemets, c'est un ensemble de hadiths rapportés par les imams concernant le Mahdi et son apparition à la fin des temps. Ceci, donc ces hadiths, n'échappent guère à la critique. C'est-à-dire que ils ne sont pas tous authentiques. Écoute bien, ceci n'échappe guère à la critique, sauf quelques-uns ou encore moins. Voir Muqaddimat Tariq ibn Khaldoun, rahimahullah. Mes frères et sœurs, Ibn Khaldoun, rahimahullah, il a dit quoi ? Méditez, il a dit, ceci, donc en parlant des hadiths sur le Mahdi, n'échappe guère à la critique, sauf quelques-uns ou encore moins. Qu'est-ce que vous comprenez ? Qu'il existe des hadiths qui échappent à la critique. Oui ou non ? En prenant tout simplement ce que Ibn Khaldoun rahimahullah a dit. Ceci n'échappe guère à la critique sauf quelques-uns ou encore moins. Taïb. Même s'il n'y a qu'un seul hadith authentique concernant Al-Mahdi, c'est une obligation pour nous d'y croire. Un seul hadith authentique nous suffit. Wadih ? Un seul hadith authentique nous suffit. On y croit. Même si cette chose n'est pas citée dans le Coran al-Karim. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate al-Hashr, Sourate 59, verset 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et il y a un hadith qui est magnifique. C'est Al-Bayhaqi rahimahullah qui le rapporte. Selon Suhaib Ibn Abi Fadala al-Makki. Un jour, Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, évoquait l'intercession. Un homme dans l'assemblée l'interpella en ces termes. « Oh Abu Najid, vous nous ramenez des hadiths dont nous ne trouvons aucune origine dans le Coran. » Voilà. Ça a déjà été prononcé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Vous nous ramenez des hadiths dont nous ne trouvons aucune origine dans le Coran. » Imran, ce compagnon, radiallahu anhu, s'est mis en colère et lui a dit, « As-tu lu le Coran ?» L'homme répondit, « Oui. » Imran reprend en disant, « Et as-tu trouvé qu'il fallait faire 4 raka'at pour la prière du Isha, 3 pour celle du Maghrib, 2 pour celle de l'aube, 4 pour celle du Dhuhr et 4 pour celle du Asr ?» L'homme dit non. Il lui demanda, « D'où ces enseignements vous viennent-ils ? Vous l'avez appris ainsi que nous ?» Du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il cita des choses en rapport avec les quantités minimales imposables de la zakat. Puis il cita les détails du hajj et d'autres choses. Et termina en disant, n'avez-vous pas entendu Allah dire dans son livre, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est clair ou c'est pas clair? Imran dit, nous avons pris du messager d'Allah des choses dont vous n'avez pas de science. Il y a beaucoup de choses qui sont citées dans la sunna et qui ne sont pas citées dans Al-Qur'an al-Karim. Oui ou non? Est-ce que ça veut dire par là que ces choses-là sont à rejeter? Non? Zakat al-Fitr du Ramadan, c'est une obligation. C'est où dans le Qur'an? Et j'en passe. D'accord? Donc, on revient à dire que
si Al-Mahdi n'est pas cité dans le Coran, mais que on le voit dans un hadith authentique, dans la sunna du prophète, nous l'acceptons. Et puis, par rapport au hadith, là je vous demande de vous accrocher un petit peu, ça va être un peu technique. Il y a deux types de hadith. On a les hadiths mutawatir, et on a les hadiths ahad. Le hadith mutawatir, récurrent, c'est un hadith qui est rapporté par tellement de personnes qu'il n'est pas possible de le remettre en question. Vous suivez ? Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il va dire, celui qui ment sciemment à mon détriment, donc celui qui ment volontairement sur moi, qu'il occupe dès maintenant sa place en enfer, c'est rapporté par Bukhari. Ce hadith-là existe aussi chez l'imam muslim. D'accord ? Donc ce hadith-là fait partie des hadiths qu'on appelle mutawatir. Il est rapporté par un grand nombre de personnes. Ce hadith-là était rapporté par plus de 70 compagnons. 70. Ça fait un grand chiffre, n'est-ce pas ? Ça, c'est ce qu'on appelle al-mutawatir. Il y a trop de personnes qui l'ont rapporté. Il est impossible de le remettre en question. Puis après, on a une deuxième catégorie de hadiths, et c'est ceux-là qui sont les plus nombreux, car les mutawatir, c'est pas ceux qui sont les plus nombreux. C'est les hadiths ahad, à narration unique. Ce sont les hadiths dont la chaîne de transmission n'atteint pas le niveau du tawatur. Récurrence, autorisant la certitude absolue. Quant au hadith dit ahad, ce dernier est pris comme argument dans l'ensemble des questions dérivées. Dans les ahkam shar'iyya, dans les règles juridiques, il y a unanimité des savants. Pourquoi ? Pour dire qu'on a le droit de se servir des hadiths ahad. Concernant la croyance, il y a des savants qui ont dit non. Là, on ne peut pas accepter un khabar ahad. On parle de croyance. Eh bien, si, on peut s'en servir pour la croyance. Cet avis est l'avis d'Ibn Abd al-Barr et Al-Khatib al-Baghdadi et d'autres parmi les savants qui disent qu'on a le droit d'accepter le hadith ahad dans le domaine de la croyance et dans les questions dérivées. D'accord ? Lorsque l'on regarde l'avis du prophète alayhi salatu wa salam, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs arguments qui prouvent que le hadith ahad est pris en compte aussi dans le domaine de la croyance. Un exemple. Le prophète alayhi salatu wa salam, comme vous le savez, il a envoyé plusieurs compagnons dans différentes régions. Et il les a envoyés seuls. Il a envoyé qui ? Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Et le hadith de Mu'adh, radiyallahu anhu, il est impressionnant. Il a envoyé pour faire da'wah. Il a envoyé seul. Ou au Yémen. Le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Mu'adh, radiyallahu anhu, rapporte. Le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, m'a envoyé au Yémen. Le prophète, alayhi sallam, me dit, tu vas trouver un peuple appartenant aux gens du livre, juifs et chrétiens. Écoute bien la suite. Invite-les à attester qu'il n'est de Dieu que Dieu et que je suis le messager d'Allah. Donc là, il est seul. Il va leur enseigner la croyance ou pas ? Les gens qui vont recevoir l'information, ils vont dire « Khabar Ahad, désolé, ramène d'autres compagnons avec toi pour qu'on accepte l'information ?» Clair ou pas clair ? Il s'agit d'un compagnon, Mu'adh radiallahu anhu, qui va au Yémen et qui, à lui seul, a la responsabilité de leur enseigner l'islam, donc la croyance et les règles juridiques. Donc ça, c'est un argument qui est clair, qui prouve qu'on accepte les hadiths ahad dans la croyance. Le prophète sallam a aussi envoyé Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, seul ou à Médine. Ok ? Abu Ubaid ibn al-Jarrah, il a été envoyé seul aux habitants de Najran. Dihya al-Kalbi, radiallahu anhu, il a été envoyé seul à Bosra en Syrie. Et si l'information d'une personne n'était pas suffisante, le prophète sallam ne les aurait pas envoyés. Vous suivez ? Et il n'est pas arrivé qu'un compagnon dise à un autre qui lui rapporte un hadith du prophète sallam, non, je ne l'accepte pas de toi car tu es seul à apporter cette information. Va me ramener un groupe de compagnons afin qu'ils témoignent de la véracité de ton information. C'est bon jusque-là ? Taïb. On a vu qu'on pouvait accepter le hadith ahad dans la croyance. Et puis, concernant l'acceptation du hadith ahad dans les règles juridiques, on a pas mal d'arguments qui prouvent que une information pouvait suffire. On a pas mal d'arguments. Le changement de la Qibla s'est fait avec l'information d'un seul compagnon. Les musulmans sont pris dans quelle direction ? Jérusalem, n'est-ce pas ? Puis, la direction a été changée vers la Kaaba. Taïb. Écoute avec moi ce hadith. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, a rapporté. Alors que les gens faisaient la prière de l'aube à Quba, Quba c'est une mosquée à Médine, quelqu'un vint leur dire. Donc ils sont en prière.
Quelqu'un est venu leur dire, cette nuit, l'envoyé d'Allah reçut une révélation. Il a été ordonné de se diriger vers la Qibla. Dirigez-vous donc vers elle. Ils étaient en prière. Est-ce qu'ils se sont dit, on attend de finir la prière, on enquête sur le sujet, puis après on voit si on change de direction ou pas, ou est-ce que pendant la prière, ils ont changé de direction? Pendant la prière, Allahu Akbar. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Écoutez bien, les hommes étaient tournés vers la Syrie et ensuite ils s'orientèrent vers la Qibla. Allahu Akbar. Argument clair qu'on peut accepter quoi? Le hadith Ahad dans les règles juridiques. Les compagnons ont accepté cette information sans dire qu'il s'agissait de l'information d'une seule personne. À partir du moment où l'information est authentique, il nous incombe d'y croire même si elle est rapportée que d'un seul compagnon. Un autre exemple d'un hadith Ahad très connu. De tous et toutes, on a le hadith d'Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Innam al-amal binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Il est rapporté par Bukhari Muslim. Ce hadith n'est rapporté que par Omar radhiyallahu anhu. Et pourtant ce hadith fait l'objet de l'unanimité des savants. Mes frères et sœurs, Cheikh Al-Abad hafidhahullah a dit que les compagnons qui ont rapporté les hadiths du Mahdi sont nombreux. Et il y en a plus d'une vingtaine. Parmi eux, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. C'est pas un grand nom. Il rapporte le hadith du Mahdi. Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf. Quatre qui font partie des 10 à qui le paradis a été promis. C'est pas fini. Il y a qui encore? Al-Hussein ibn Ali, Umm Salama, Umm Habiba, Abdullah ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Omar, Ibn Amr, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdullah, Abu Huraira, Anas ibn Malik. La liste elle est longue. La liste elle est longue. Les textes concernant Al-Mahdi sont nombreux. Il y a plusieurs hadiths authentiques à son sujet. Et là, il y a un point très important à clarifier. C'est quoi? C'est que Al-Mahdi, il y en a qui ont nié son existence, il y en a qui ont exagéré concernant Al-Mahdi, et il y a Al-Wasat, Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ceux qui ont nié Al-Mahdi, on a vu. Et on est encore en train de déconstruire leurs arguments. Ceux qui ont exagéré concernant Al-Mahdi, c'est les chiites. Et nous, on est au milieu. Donc il y a eu des hadiths inventés, il y a eu de la manipulation, etc. Et grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, les savants de la sunna ont préservé la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala en montrant les textes qui sont acceptés, qui sont authentiques, et les textes qui sont à ne pas prendre en considération. Écoutez bien, les hadiths sur le Mahdi ont été rapportés par un grand nombre de savants. On a Abu Dawud qui rapporte un hadith al-Mahdi. On a Al-Tirmidhi, Al-Nasai, Ibn Majah, Ahmad dans le Musnad, Al-Bazar dans son Musnad, Abu Ya'la dans son Musnad, Al-Harith ibn Abi Usama dans son Musnad, Al-Hakim dans le Mustadrak, on a Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, Ibn Khuzayba dans son Sahih, Abu Nu'aym fil Hilya, Al-Tabarani, Al-Darqutni, Ibn Asakir dans son Tarikh, Ibn Jarir, on a Al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa, Ibn Sa'd dans Tabaqat, et beaucoup d'autres ouvrages dans lesquels sont cités les hadiths relatifs au Mahdi. Clair? Un groupe de savants ont même écrit des livres spécialement dédiés au Mahdi attendu, dans lesquels il mentionne un grand nombre de hadiths le concernant. Parmi ces écrits, on a l'érudit Abu Bakr ibn Abi Khaythama, qui a compilé les hadiths relatifs au Mahdi. On a aussi l'imam Suyuti rahimahullah qui composa un opuscule, un juz, qui l'intitula Al-Urf al-Wardi fi Akhbar al-Mahdi, qui est imprimé dans Al-Hawi lil-Fatawi. On a aussi Ibn Kathir rahimahullah qui en parle dans Al-Nihaya et dans Al-Fitan wal-Malahim. On a aussi Ali al-Muttaqi al-Hindi, qui a un épître concernant le Mahdi. On a Ibn Hajar al-Makki, qui en parle aussi. On a Moula Ali al-Qari, on a Mar'i ibn Yusuf al-Hambali, al-Shawkani écrit à ce sujet. On a al-San'ani aussi, Siddiq Hassan et d'autres. Et d'autres. Taïb, pour certains gens de science, le fait que les hadiths du Mahdi ne sont pas cités dans Bukhari et Muslim, c'est que le Mahdi n'existe pas. Car pour eux, ce n'est pas possible que le Mahdi ne soit pas explicitement cité. C'est vrai qu'on avait vu tout à l'heure que c'était cité, mais de manière non explicite, leur émir, leur imam, n'est-ce pas? Mais on avait dit que les textes s'expliquent, n'est-ce pas? On avait vu des textes qui parlent de cela. Taïb. Est-ce que si un hadith il est rapporté par autre que Bukhari Muslim, on l'accepte ou est-ce qu'on accepte que ce qui est dans Bukhari Muslim? S'il est authentique, on accepte ce hadith même s'il n'est pas dans Bukhari et Muslim. L'imam Ibn Kathir, rahimallah, a dit Al-Bukhari et Muslim ne se sont pas fixés de rapporter l'ensemble des hadiths jugés authentiques. Ils ont authentifié des hadiths qui ne se trouvent pas dans leur ouvrage, comme l'a dit l'imam al-Tirmidhi, qui était un élève de Bukhari. Et d'autres savants ont dit cela. À savoir qu'Al-Bukhari a authentifié des hadiths qui ne sont pas dans son livre.
mais dans les sunan et autres. Donc il ne faut pas croire que toute la sunna authentique, elle est que dans Bukhari et Muslim. Non. Les hadiths du Mahdi, même s'ils ne sont pas rapportés par Bukhari et Muslim, nous les acceptons, car ils sont rapportés par d'autres savants de manière authentique. J'en profite pour vous rappeler certains hadiths qui concernent la croyance et qui ne sont pas rapportés par Bukhari et Muslim. Le hadith qui parle des 10 personnes à qui il a été promis le paradis. Vous le connaissez ce hadith ou pas? Hadith al-Ashar al-Mubashirin bil-Jannah. Il n'est pas rapporté par Bukhari et Muslim. Il est authentique. L'imam al-Tirmidhi rahmallah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Auf rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr sera au paradis. Omar sera au paradis. Uthman sera au paradis. Ça fait 3, n'est-ce pas? Ali sera au paradis. Talha sera au paradis. Az-Zubayr, donc Ibn al-Awwam, sera au paradis. Abdurrahman ibn Auf sera au paradis. Sa'ad ibn Abi Waqqas sera au paradis. Sa'id ibn Zayd sera au paradis. Et Ubayd ibn al-Jarrah sera au paradis. Ce hadith-là n'est pas dans Bukhari Muslim. Et pourtant, on l'accepte. Ce sont les 10 à qui il fut promis le paradis, et sachez qu'il y a d'autres compagnons, à part eux, à qui il a été annoncé le paradis. Et si ceux qu'on a cités s'appellent les 10, alors qu'il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont été cités en même temps. Parmi les hadiths qui ne sont pas dans Bukhari et Muslim, on a le hadith d'Al-Bara ibn Azib qui parle des châtiments et des délices de la tombe. Il n'est pas rapporté par Bukhari et Muslim. Il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Ce hadith qui parle de la situation de l'âme dans la tombe jusqu'à la résurrection. Ce hadith n'est pas rapporté par Bukhari et Muslim, il est rapporté par Ahmed. On y croit pourtant. D'accord? De même, le hadith qui parle des 99 registres et de la carte où il y aura la ilaha illallah. Vous le connaissez ce hadith? Il est rapporté par l'imam Ahmed. Il n'est pas dans Bukhari et Muslim. Et pourtant, on y croit. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme de ma communauté sera appelé à comparaître devant toutes les créatures. Il lui sera alors montré 99 registres. 99 registres. Chaque registre est tellement grand qu'il va jusqu'à l'horizon. Puis Allah lui dira: renies-tu de ses actions dans ces registres? Est-ce que tu renies quelque chose? L'homme dira: non, Seigneur. Puis Allah lui dira: mes scribes ont-ils été injustes envers toi? L'homme dira: non, Seigneur. Allah dira: as-tu une justification ou une bonne action? L'homme prendra peur et dira: non, Seigneur. Allah dira: tu as une bonne action et il n'y a pas d'injustice aujourd'hui. On amènera une carte dans laquelle il est écrit: je témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'homme demandera: mais qu'est-ce que peut valoir cette carte face à tous ces registres? On lui dira: il n'y a pas d'injustice aujourd'hui. On mettra les registres d'un côté de la balance et la carte de l'autre côté de la balance, et les registres s'envoleront à cause du poids de la carte. Taïb. Certains avancent que Al-Mahdi vient des narrations des Juifs. C'est les Juifs qui ont inventé ça, puis après les chiites l'ont repris, et maintenant voilà, vous voulez prendre des choses qui ne viennent pas de chez nous. Quant au fait que de nombreuses narrations juives ont été mêlées au hadith, et que d'autres sont une invention des chiites et d'autres sectes, ceci est vrai. Mais les imams du hadith ont démontré ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. C'est ça qu'il faut retenir. Les savants du hadith, ils ont après filtré. Ça c'est authentique, ça ça ne l'est pas. Ils ont rédigé des ouvrages au sujet des inventions et ont clairement montré les versions faibles. Ils ont posé des règles minutieuses au sujet du jugement porté sur les transmetteurs en sorte que tout innovateur ou menteur soit démasqué. Et c'est ainsi qu'Allah tabarakatuh a préservé la sunna des manipulations des manipulateurs, de la falsification des exagérateurs et des inventions des imposteurs. Telle est la préservation d'Allah tabarakatuh envers sa religion. Et s'il y a des versions qui ont été forgées au sujet du Mahdi par sectarisme, cela ne doit pas nous pousser à délaisser les versions authentiques. S'il y a des hadiths qui sont inventés à ce sujet, sachez qu'il y a des hadiths authentiques qu'on ne doit pas abandonner parce qu'il y a eu des hadiths inventés. Ces versions authentiques font mention de sa description, son nom, celui de son père, et on a vu tout cela ensemble. Quant à la prétention de contradiction, ce qu'il faudra, c'est de voir déjà, un, l'authenticité des textes. L'avis des savants sur les textes, et bifadlillah azzajal, tout ça a été fait depuis longtemps. La croyance des chiites imamites. Docteur Al-Ashkar rahimallah a dit: puis pour les chiites, pour eux, le Mahdi est le dernier de leur imam, le 12e imam, qu'ils nomment Muhammad ibn al-Hassan al-Askari. Muhammad ibn al-Hassan al-Askari. Nous, on l'appelle comment? Muhammad ibn Abdullah. Ils prétendent qu'il est l'un des descendants d'Al-Hussein, le fils d'Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et non l'un des descendants de son fils al-Hassan. Il croit que celui-ci est entré dans une galerie souterraine à Samara il y a plus de 1100 ans, alors qu'il était âgé de 5 ans. Il croit qu'il se déplace dans les pays, mais qu'il est invisible,
et qu'il est le Mahdi dont ils attendent le retour. Leur propos ne repose sur rien. Ni Qur'an, ni Sunna. D'accord ? Et il y a un hadith qui dit point de Mahdi sinon Isa ibn Maryam. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit « L'affaire n'en sera que plus difficile, le monde plus hostile, les gens plus avares et l'heure ne se dressera que sur les pires gens. » Point de Mahdi sinon Isa ibn Maryam. Ce hadith, on a dit, est rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim. Ce hadith, il est faible. Ce hadith, il est faible. Car il tourne autour de Muhammad ibn Khalid al-Jundi. Al-Zahabi, rahimahullah, dit, selon Al-Azdi, son hadith est réprouvé. Abu Abdullah al-Hakam dit, il est méconnu. Je dis, son hadith, point de Mahdi, sinon Isa ibn Maryam, est une information réprouvée rapportée par Ibn Majah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, ce hadith est faible. Abu Muhammad ibn al-Walid al-Baghdadi et d'autres se sont basés dessus, mais ce n'est pas chose sur laquelle on puisse faire. Donc le hadith, il est faible. Tamam. Al-Qurtubi, rahimahullah, il a dit, cela peut vouloir dire qu'il n'y a pas de Mahdi complet et infaillible autre que Isa. De ce fait, les hadiths sont conciliés et la contradiction est levée. Mouhim, comme vous avez pu voir, le hadith, il est faible. Il y a certains savants comme Al-Qurtubi qui ont essayé de concilier entre ces arguments. Enfin, ça c'est pour ce qui est de cet argument. Mes frères et sœurs, voilà ce qu'il y a en résumé à dire sur Al-Mahdi. Ce thème, comme je vous l'ai dit, je le répète depuis le début, c'est un thème de Aqidah, qui concerne la croyance. Il faut y croire. Notre devoir, c'est quoi ? D'y croire. Et Inch'Allah, si Allah tabaraka wa ta'ala me donne la vie, la semaine prochaine, on commencera les grands signes de la fin des temps. J'essaierai, Inch'Allah, du mieux que possible, de clarifier tous les grands signes de la fin des temps. Et puis sachez que lorsque les grands signes arriveront, ils s'enchaîneront. Ils s'enchaîneront. Al-Hakim a rapporté, selon une chaîne de transmission authentique, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les signes de l'heure sont comparables aux perles enfilées dans un fil. Si celui-ci est rompu, les perles se suivent les unes après les autres. Vous avez l'image comme elle est ? Ajib, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette grande faveur de pouvoir dire peu de mots qui ont beaucoup de sens. Et il était très éloquent, alayhi wa sallam. Les perles se suivent les unes après les autres. Ça, c'est donc ce qu'on avait à vous dire en résumé encore une fois. وسجد المهدي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته